Salut, bienvenue chez Wild, le nouveau Wild. Je vous fais la visite guidée du propriétaire. Le bureau, donc le bureau de Blaise, qui est moins bien rangé que le mien, vous constaterez tous. Et donc le bureau de le fameux bureau de René. Pour ceux qui connaissent l'ancien Wild, ça a vachement changé. Maintenant, on a deux toilettes et une douche et des vestiaires. Donc c'est un peu kitschou, mais ça mérite d'être vachement plus clean qu'avant. La Wildeuse du mois, et donc ici c'est notre réfectoire. Donc voilà, une petite cuisine, un frigo, une machine à café, des posters de Hot Rod et de Cox et de Combi, bien sûr, dans tous les sens. Voilà, la belle vie. Dans l'atelier de remontage, donc c'est ici que se passe, qu'on règle les guitares, qu'on les remonte, qu'on fait tout ce qui est frettage, travaux, je dirais, propres, voilà, tout ce qui fait pas trop de poussière. Là c'est notre salle de répète et accessoirement salle de test pour les clients. On prête notre matos à ceux qui veulent essayer. Voilà, c'est pas encore super sexy mais c'est bien insonorisé donc on peut faire du bruit, les voisins nous disent rien, c'est génial. Encore des projets de guitare en cours qui attendent. Bon, celle-ci c'est notre petit bébé, hein, la Black Louis XIV, une shovel et puis la Charger nouvelle édition. Là c'est un peu la caverne d'Ali Baba parce que tout ça, il y a une cinquantaine de guitares, c'est des trucs qu'il faut qu'on termine ou qui sont commencés, tout ça, du stock quoi. Et notre salle d'emballage, c'est ici qu'on emballe les guitares pour les envoyer chez les gens avec le gavette du pack, du carton, etc. Voilà. Et donc ici je vous présente toute la partie atelier, vraiment la partie bois, donc maintenant on a de la place, c'est génial. De boules de métal que vous pouvez voir en face de nous. Je parle pas des deux combis de Julien et Pierre, je parle vraiment de la ferraille qui est là. C'est notre futur cabine de peinture qui va faire 7 mètres par 4 mètres. Il va falloir qu'on joue au mécano dans les profils pour la remonter. Merci.